La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mercredi 2 octobre 2024, au sous VOA Creole, pour suivre une édition tout neuf, rendez-vous qui pralouait actualité en Haïti et dans le monde à qui ont attention sous États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelqu'un grand point cap dominé actualité. Il est temps que le Conseil de sécurité fasse preuve d'unité. Actualité internationale, Conseil de sécurité des Nations Unies organisé jeudi mercredi 2 octobre. Là, il y a une réunion d'urgence après attaque massive Iran sur Israël qui promet lui-même pour réagir. L'armée Israël continue l'opération terrestre dans Liban contre Hezbollah pendant que la puissance occidentale continue à exprimer la pérèse pour guerre pas escalader dans la région Moyen-Orient. Actualité électorale aux États-Unis, débat historique hier soir dans New York entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance. Et puis en Haïti, conseil présidentiel transition a convoqué ministre affaires étrangères Dominique Dupuis pour cafouiller qui a soi-disant gagné dans New York dans l'occasion Assemblée générale de l'ONU. Mesdames, messieurs, bonsoir une autre fois encore. L'armée Israël continue opération terrestre dans Liban contre Hezbollah pendant que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit la fait Iran payer pour attaque massive li fait hier contre pays. Détail avec Gentil Augustin Junior. Iran fait un gros erreur à Souya. Et puis, li pral payer prix. Régime iranien pas comprendre détermination nous pour défendre tête nous et puis rendre l'ennemi nous responsable. Déclaration premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait hier mardi après Iran t'a lancé plus passé 180 missiles balistiques sous Israël qui d'après l'armée Israël là tombé sous base force aérienne l'armée mais qui pas quitté blessé et pas endommagé aucun avion ak infrastructure pays ya. Chef état-major Iran Général Mohammad Bagheri avertit Téhéran qu'a frappé Pifo. Si Zoka, Israël t'a cherché prendre revanche. Si régime sioniste qui rive dans folie et puis États-Unis et Europe pas contrôlé, voulait continuer crime ça yo au soit agir contre souveraineté nous et intégrité territoriale nous, opération Asweya pral répéter ak pi gros intensité et toute infrastructure régime n'a pral visé. Après attaque ça, en pile réaction sorti tout partout dans la communauté internationale là. Sorti la France, Angleterre, pour ne citer ça yo seulement, condamné et puis poté support pour Israël. Président américain Joe Biden réaffirmé support total États-Unis pour Israël. Et relé attaque Téhéran yon défait et puis qui pas efficace. Ça, c'est un témoignage de la capacité militaire Israël acclamé américain. L'issue tout, un témoignage de planification intensive entre États-Unis et Israël pour anticiper et défendre contre-attaque arrogant nous te espéré. Chef Nations Unies Antonio Guterres condamné attaque missile Iran sous Israël jeudi mercredi après premier ministre Israël là te déclaré li persona non grata en Israël alors que l'armée Israël lance nouveau attaque jeudi mercredi contre mouvement libanais pro iranien ak yon invasion terrestre dans Beyrouth. L'armée Israël annoncé 8 soldats mouri dans bataille dans sud Liban. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil. Devant escalade de violence dans la région Moyen-Orient, avec ce qui a passé dans le Liban et avec la dernière attaque Iran sous Israël, le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a réalisé jeudi à une réunion d'urgence. Nous avons souligné et Valério Saint-Louis depuis New York. Valério, dis-nous plus. Bonsoir Jacqueline. En effet, Conseil de sécurité des Nations Unies a fait une réunion en urgence jeudi mercredi 2 octobre là, urgent pour adresser tensions qui ont augmenté dans le Moyen-Orient, particulièrement entre pays Israël et pays Liban. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a demandé pays membres Conseil de sécurité à puis unir tête, mettre tête ensemble et puis supporter une entente pour une suspension tirée immédiate. Il était averti que situation ça a amené dans une gros la guerre dans la région avec des conséquences inimaginables. Antonio Guterres a mis accent sur le fait que Gaza était sans violence là,
et que joigne une solution dans le conflit ça, c'est un bagage important pour mettre fin à une grosse tragédie ça. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est condamné à l'attaque missile que l'Iran a fait sur le peuple Israël. Il a ajouté que pendant ce temps, souffrance du peuple Gaza a continué. Réunion ça, Jacques Fomjo, réunion en urgence du Conseil a été fait aujourd'hui, il était mis accent sur la grosse division qui gagne dans le temps Conseil de sécurité à ce problème régional ça. Sans que aucune résolution claire ou soit déclaration t'est arrivée sautée côté que Mamio t'est tombé d'accord. Jacqueline. Merci Valerio. Valerio Saint-Louis trouvé-le dans New York. Oui, Valerio Saint-Louis trouvé-le dans New York qui t'est accueilli hier soir. Débat deux candidats pour vice-présidentiel en parlant de démocrate Tim Walz ak républicain J.D. Vance. Et Valerio t'est parlé avec plusieurs monde dans plusieurs tendances avant débat. Valerio. Quelques temps avant débat vice-présidentiel là qui t'a déroulé dans studio station télévision CBS là, t'es gain tension entre partisans démocrates et partisans républicains. VOA Creole t'est parlé avec partisans des partis. Haïtien, m'a mangé légumes, sauce poire, black rice, not cats and dogs. Diri noir, moi pas manger chat ak chien. Moi très fier de culture haïtien moi. Papa m c'est Jean Ernest Jelin Moonhench. Moi c'est un haïtien qui fier, haïtien campé ferme. Les États-Unis s'y posaient fier de Haïti. C'est grâce à nous-mêmes que pays ça a existé. And I'm expecting for more lies from Vance. Moi attend moi plus menti dans mes JD Vance. Moi veux pour nous prêter attention, moun ki descend haïtien yo. Faut que nous vraiment sorti à voter, ça très important. Just up the block. I was walking by one of those buildings and somebody threw a bottle. Ne pas marcher et puis you moun voye une bouteille depuis fenêtre là. Bouteille a tombé, il écrasé devant moi. Splashed all over me. But if it hit me in the head. Il était capable même dans tête, moi était blessé. Et puis moi entendais un moun dans fenêtre en cap jouer, me dit une bêtise. I think they would not be this angry. Moi je crois que yo pas ta fâché comme ça si yo te connaît que t'as pral gagner élection yo. Yo connaît que Donald Trump a président encore. Well, hopefully it's fair, not like it was with the past debate. So let's hope for that. Moi souhaité que la juste pas même Jacques l'autre débat. Moi souhaité que J.D. Vance a délivré message là sous qui ça maga mouvement hier et expliquer moun yo qui ça lui même avec Donald Trump a capable faire pour retirer pays nous dans tout côté lié. There's been evidence that it's true. Bien évidence que c'est vrai, oui, qu'il a mangé chien avec chat. Moi pas qu'on est si c'est vrai ou pas. Mais pas d'abord, je me dis ça si c'est pas vrai. I hope that Tim Walz becomes, continues to be an educator and teaches. Moi souhaité que Tim Walz continue à être un éducateur et que lui apprenne J.D. Vance quelques bagages sur l'histoire pays ça. Qui ça nous doit faire pour nous avancer au lieu que nous retourner derrière. Il va mettre agenda devant pour pays avec tout le travail qu'il a fait Minnesota. Universal child care, food, lunch, all the things que moi quoi là dedans. By the way, Monsieur Education Chair in the New York City Council. So c'est professeur qui là qui vient supporter professeur et t'as une dame qui te parle là, c'est haïtienne ni t'es, ni parle en créole, ni parle de tout bon bagage haïtien qu'on mange du riz, légumes, du radion, du soupe, du monde, on va manger chat, on va manger chien. Débat vice-présidentiel, la pote commence à dedans, mais dans la rue, devant studio, t'es gagné en pile échange, opinion, jouement, avec revendication, tous les deux parties. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio pour un pile spécialiste. Débat ça, pas gagné trop gros impact sur intention vote dans l'élection présidentielle qui gagne pour dérouler le 5 novembre prochain. Cependant, Jean-Robert Philippe, deux candidats te répondent questions sur sujet qui gagne importance capitale pour électeurs américains, Jean-Aubert? Effectivement, Jacqueline, même si c'est unique et dernier débat entre deux candidats pour ce vice-président, mais j'espère que, et façon de déposer, façon de répondre aux questions, capable de bien répondre avec attente électeurs, t'es gagné de yo, et pas d'aucune surprise pratiquement. Donc, j'espère que performance pour aider électeurs qui étaient indécis, yo. Surtout dans l'État côté qui est capable de décider le résultat de l'élection, eh bien, j'espère que la performance est capable de convaincre les électeurs priorités en faveur d'une ou bien en faveur de l'autre. Pour démarrer le débat, candidat pour poste vice-président républicain J.D. Vance avec rival démocrate Lee Tim Walz, t'es bien position sur l'attaque Iran t'est lancée sur Israël mardi 1er octobre. Policier Kamala Harris, là, Tim Walz, déclaré candidat parti républicain bouleversé diplomatie mondiale. We had a coalition of nations
Nous avons une coalition de pays qui était fermé le programme nucléaire iranien pour empêcher l'avancée avec elle. Donald Trump retire le programme sans y permettre un rien pour remplacer elle. Iran est plus prêt pour développer une arme nucléaire à cause de Donald Trump qui a une position où l'aime de bord. Jeudi 20, rend Kamala Harris responsable pour problème Springfield, Ohio, côté lui-même avec Trump, pas suspend accusé un groupe haïtien, il dit qu'a mangé animal domestique communauté. You've got housing that is totally unaffordable because we brought in logement qui est totalement inabordable à cause nous permettre plusieurs millions d'immigrants rentrer dans pays à sans papier pour venir rivaliser avec américains pour logement. Monde qui bande plus tête chargée à vivre dans Springfield état Ohio qui c'est citoyen américain qui victime à cause politique ouverture frontière Kamala. Sous question de droit avortement qui divise société à 20 square, c'est l'État qui doit décider sous question. C'est meilleure façon pour gérer le sujet, même si des fois démocratie a pas bien fonctionné. C'est quitter électeur pour une décision pour chaque État appliquer propre politique sous avortement. Walt Spock de Pal déclaré, c'est mesdames yo avec docteur yo qui doit prendre une décision comme ça. Qui j'en nous-mêmes comme pays déclaré, la vie ensemble avec droit élémentaire dépend de un espace géographique. This was an overwhelming, dominating performance. Réaction après débat, député de New York, là, Elise Stefanik, déclaré, Jeudi 20, remettre une bonne performance dans le débat. Moi, quoi, lui parler directement avec le peuple américain, hein, sous question qui est importante pour eux, tant qu'au crise immigration illégale, que Kamala Harris est responsable. Tim Walz is who he is. I've known him for well over. Gouverneur Colorado, Jared Polis, parlait pour dire, Tim Walz, c'est mon lié. Moi, connais lui depuis passé 10 ans dans le Congrès, il parlait avec toute quelle sous question qui est importante pour lui, que lui partageait avec le peuple américain. Élection anticipée déjà commencé dans 23 États, dans le moment manqué, plus passé un mois pour l'élection 5 novembre arrivé. Déjà et bah elle a fait commencer qu'on y a là donc on dirait que pratiquement en, moins que deux mois pour continuer sillonner et tâcher tout qui est décidé pour capable convaincre électeurs pour voter en faveur d'une ou bien l'autre là Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Avec Jean-Robert Philippe nous t'ouais grand point dans débat hier soir et eh ben ou sous la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC ou à suivre rendez-vous et débranchez. VOA Creole, président Joe Biden trouvé dans Caroline du Nord côté li a évalué dégâts qui fait l'autre bord après passage cyclone Helene. Marie-Luc Pierre gagne détail. Jeudi mercredi, président Joe Biden allé dans Caroline du Nord faire une évaluation sous dommage cyclone Helene qui était derrière. Nous devons commencer le processus de récupération, ça. Biden t'a dit, hier matin, nous devons payer sérieusement. Ça, c'est une urgence. Agence Nouvelle Reuters rapporté que Biden a commandé parlementaire pour retourner à Washington pour une session spéciale congrès pour qu'il passe financement assistance supplémentaire pour zones qui affectées. Communauté a été effacée dans quatre là, d'après une déclaration du gouverneur Caroline du Nord, Roy Cooper, qui fait hier matin. Avec plus de 160 monde qui perdu la vie, dans Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgia, Floride, Tennessee et Virginie, Helene, c'est une tempête qui pi mortelle qui passait dans le pays. Presque moitié calamoyo est dans Caroline du Nord, d'après l'autorité. Merci Marilus. N'a pas rappelé que avant ça, dans ce moment, ancien président Donald Trump t'es visité tout Caroline du Nord pour t'aller faire même évaluation. Qu'on y a nous pral dans Springfield, dans l'État Ohio, à qui on rencontre les deux communautés haïtiennes, à gouverneur État. Obed Lamy, abdi nous plus sous rencontre ça. Communauté haïtienne ici dans Springfield, toujours fait face avec un pile tête chargée. Que ce soit pour question sécurité, gain accès à service public et même dans question conduite machine. Jodi a un groupe haïtien qui organise tête yo sous forme une organisation. Yo te chita parlé avec plusieurs représentants gouverneur Ohio avec autorité dans ville là. Côté yo te présenté doléances communauté haïtienne et discuté avec autorité ça sur qui solution capable porter pour soulager situation haïtien yo. Nous te gain chance parler avec plusieurs nan yo après rencontre ça. Conseil de monde qui vient là, qui pas contre si pour monter, si pour descendre, qui côté pour aller. Donc il y a aidé à avancer le programme. L'autre bain encore été moyen, c'est healthcare, c'est la santé. La santé, il y a conseil de mesdames qui viennent là, tout enceinte, qui pas contre primary care physician, ça les PCP, un docteur, famille. Il y a pas gagné un côté à faire check-up. Vous comprenez, tout le genre de bagage ça.
nous étions sous table là programme pour timoun yo tout ou comprendre que timoun haïtien là tout qui perdu il est sorti l'école la caillou pas rien pour encore donc il t'a cherché moyen pour aider nous pour haïtien intégrer communauté Springfield là puis bien. Parmi autorités qui étaient dans la rencontre ça gagne chef cabinet gouverneur Ohioa à responsable sécurité publique pour état. Évidemment, sécurité, c'était un point qui te fait un pile discussion. Donc, ça important dans le dossier sécurité, c'est que vous faites des approches avec nous pour que nous soyons capables de, non seulement tant de sécurité qui a porté pour nous, pour la communauté, mais nous-mêmes, tout dans la communauté, pour que nous soyons capables d'intégrer tout dans le niveau que nous-mêmes, nous avons l'autre sécurisé. C'est ça. Sécuriser une autre. Haïtien, ça qui était sous table rencontre là, c'est membre d'une organisation qui est Haitian Community Alliance, qui a peine formé dans Springfield. Gen suivi qui pral fait après rencontre ça, mais pour kounye a, yo semble bien optimiste. Yo commencé faire deux mouvements tout qui montrent que dernière réunion de gen là, yo kembe ça ou te di yo. Nous même nous vinn avec des propositions pour yo tout et yo di n'ap continuer faire suivi yo jusqu'à ce que nous abouti côté nous voulons arriver, c'est sécurité nous besoin, c'est intégration propre. Bon genre intégration haïtien dans Springfield. Yo sorti satisfait et satisfaction encore mais vous pouvez ça c'est en pile connexion que a essayé faire entre nous même ensemble avec l'autre équipe et non seulement connexion mais l'autre follow-up qui supposé faire par rapport à meeting ça qui fait aujourd'hui là au bête l'ami pouvez voir créole depuis Springfield Ohio. Merci d'être toujours branché, ça fait nous un pile plaisir donc à déplacer. Actualité dans le pays d'Haïti, gros nouvelle là, c'est unité cap goumé contre corruption dans le pays d'Haïti, ULCC, qui recommandait pour mettre action publique en mouvement contre conseiller président Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérard Gilles pour abus fonction, corruption passive et versement pot de vin, donc bay coûte l'argent en battable. ULCC fait recommandation sa yo dans un rapport enquête li publié journée mercredi 2 octobre là sous accusation 1 million de goudes qui mettait face à face trois conseillers ak yon ancien président BNC en parlant de Raoul Pierre-Louis. Dans même rapport si là ULCC mandé tout pour gain poursuite judiciaire qui fait contre monsieur Pierre-Louis qui lui-même tout a trempé dans corruption. Selon ULCC, ancien président BNCA fait entrave tout à la justice, il implique tout dans bail pot de vin et puis fait abus et fonctionne. Donc c'est gros nouvelle ça qui tombé journée jodia. L'autre point dans actualité a fragilité, insécurité et instabilité politique dans pays d'Haïti, c'est trois problèmes majeurs qui empêchent pays à développer. Problème ça yo doit résoudre ensemble d'après Premier ministre Evans Paul qui était prend la parole dans forum environ yon centaine structure politique côté à travers yon résolution yo réclamé mise en place yon conseil national transition trois membres. Détail avec Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. C'est sous initiative coalition politique pour avancement démocratie parti émergent ak allié représentant environ 100 structures politiques participer dans forum ça qui déroulait sous thème refondation l'état. Après intervention différentes personnalités participants yo te travail en groupe 6 ateliers côté yo adopté yon résolution pour remplacer conseil présidentiel transition par yon conseil national transition trois membres cap gain Edgar Leblanc-Fils comme président Fritz Alphonse Jean ak Leslie Voltaire membre ak pou mete kanpe tout yon gouvernement sauvetage national pou remplacer gouvernement Gary Konian Islom Raymond Telly résolution. La gouvernance assurée par un premier ministre qui en concertation avec le président du CNT engage des consultations auprès des forces vives de la nation pour la mise en place d'un gouvernement de sauvetage national. Ancien Premier ministre Evans Paul, qui te prend la parole dans le forum pour refondation l'État, dit insécurité, précarité et instabilité politique, c'est un problème majeur qui doit résoudre ensemble pour sauver le pays d'Haïti. A, c'est pour action immédiate. B, c'est pour bâtir le moyen terme. C'est pour consolider le long terme. 7 octobre 2024 qu'a approché là, selon accord 3 avril l'an qui prévoit ça y aurait les présidences tournantes
côté conseiller président Smith Augustin, yon parmi ou trois membres dans le conseil présidentiel transition qui gen non cité dans scandale corruption, t'a doué remplacer Edgar Leblanc fils. Mais ancien premier ministre Evans Paul dit bagay ça, c'est un désordre. Il souhaitait messieurs dames capeté yo entendre yo ak mete yo dans dimension crise sociopolitique ak économique là en Haïti, pendant que certains autres participants dit yo satisfait par rapport à jeunesse. J'ai attendu ça. Oui, non, tout ça. Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci. Renan, ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis, pas répondre à convocation membre conseil présidentiel transition qui était fixé pour jeudi, mercredi. Yves Manuel. Ministre Affaires étrangères à Kutlan, Dominique Dupuis, pas répondre convocation conseil présidentiel transition qui était prévoit pour mercredi ça dans villa d'accueil. Dans une correspondance qui a joint même conseil présidentiel là, premier ministre Guy Conny expliquait absence madame Dupuis côté le fait qu'on ait convocation ça qui signé par chef cabinet CPTA Arvel Jean-Baptiste et non pas par une autorité qui habilité. Toutefois, premier ministre là by assurance que ministre Affaires étrangères capable disponible pour une rencontre avec CPTA à partir de vendredi ça cap vini là. N'a souligné conseil présidentiel transition t'est convoqué ministre affaires étrangères pour mercredi ça dans l'idée pour une baille explication sous malentendu qui lié à agenda délégation haïtienne pendant 79e assemblée générale Nations Unies. Selon une note qui signée par chef cabinet CPTA Avel Jean-Baptiste, ministre Dupuis doit baille explication détaillée concernant rencontre bilatérale li était sollicité pour CPTA à disposition qui te prend dans ça qui concerne sécurité pour haut responsable délégation haïtienne. Conseil présidentiel là mandé à ministre tout pour le porter copie à toute correspondance qui gain pour à rencontre ça yo et mesures protection qui était adopté pour président Edgar Leblanc. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Toujours dans le pays d'Haïti, dans l'occasion ouverture l'école, la premier ministre Gary Conny visite le lycée des jeunes filles dans Port-au-Prince. Steven Aristide. Hier mardi 1er octobre, c'était une journée qui était chargée avec espoir pour un pile élèves avec famille, même si pour quelques était une journée de tribulation. Dans tout le pays, l'école relouvre Portio pour l'année académique 2024-2025, malgré un pile difficulté. Dans l'occasion ça, premier ministre Gary Conny a visité les jeunes filles pour montrer l'engagement gouvernement liant gagné envers l'éducation pays. La bonne disposition pour accompagner par la même, c'est pour ça que nous avons des subventions pour parler. Nous avons un livre gratis que nous distribué, nous avons un kit que nous distribué. Nous avons toute disposition pour les parents en mesure de l'année. Également, nous avons dit que le lendemain matin n'est pas satisfait. Pas satisfait parce que nous toujours gagnons près de 40 écoles pour occuper. Donc il y a 40 écoles pour dire qu'il n'y a pas qu'à gagner l'espace que l'habituel à l'école, il y a pour faire mieux et la continuer de travail pour faire mieux. Dans le lycée Pétionville, pour même occasion, ça tout, nous avons parlé à Kourou Derson Jean, un élève qui a fait philo, qui fait qu'on est. Yo doué changer tête pour yo capable de changer pays. Et c'est l'école qui base tout changement ça. Pour ouvrir l'école là, c'est avec un sentiment de fierté, de tristesse, de résilience. On est capable de dire un mélange de tout sentiment qui est bon et qui n'est pas bon. Pour qui ça? Fierté, ouverture de l'école là pour vous que malgré la situation, ouverture de l'école pour vous que vous avez espoir quand même. Résilience. Quand on est capable de pas réunir, quand on est pas réunir vraiment vrai, mais avec résilience, on peut dire que résilience nous oblige à venir. Et tristesse pour qui ça? Parce que ce n'est pas nous tous qui avons des possibilités. Certes, grâce à Dieu, nous avons des possibilités pour nous là, pour nous jouer l'école là. Mais l'autre, il y a plusieurs raisons de faire au pas là. C'est avec tout, si nous avons pris tout sentiment, nous avons pris en pile. Restaurer l'autorité de l'école, c'est sous thème sa ministère de l'Éducation nationale, la faire entrer académique ça, qui pour un pile monde, c'est une année résilience. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Nous pratiquement arrivé presque dans la dernière ligne droite programme là. Merci d'être toujours branché. Et ben continuez faire ça. Et oui, nous pratiquement arrivé dans fin programme là, mais qu'on y a nous pral dans pays Argentine et nous pral parler de ville Hilario Ascasubi
ak yon problème Jaco. Nous connaissons dans le pays d'Haïti, problème Jaco répète. C'est un oiseau que nous remet dans le pays d'Haïti. Fandis que plusieurs milliers d'oiseaux, vêtent jaune rouge, qui envahit le pays ça, nous capable de voir les oiseaux. Mais le pays ça, c'est à cause de déboisement dans la colline, dans la zone, d'après biologiste. Problème ça, c'est que yo mangé câble électrique dans la ville, ça qui la cause tout blackout. Et yon l'autre bagay encore, yo gagne un gens pour yo crier et puis yo fait dépôt tout partout, quel que soit côté a. Yo rive dans ville là dans saison hiver ak dans saison automne et gen moun ki di gagne 10 jaco pour 5000 habitants. Mais nouvelle la pa di et ki jan yo prévoit résoudre zafè jaco sa yo. Sa nou les jaco répète dans pays d'Haïti. Mes amis, à la traka, zoazo a bay problème, n'a parlé de Jaco, répète qu'a bay problème dans le pays Argentine, mais gen yon solution, mais yon poko jwenn solution. Mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan. C'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Je voulais dire merci pour attention, merci pour fidélité. N'a souhaité vous passer une bonne fin de journée ou bien si c'est pas une bonne soirée. Et n'a retrouvé nous encore demain sous VOA Creole. N'a fait depuis Washington DC dans studio 57 et nous dit tout le monde qui a participé dans le programme nan. Merci pour attention. Merci. Médecin de son état et c'est ça que yo bali. Il t'a crié. Il t'a dit que bon j'ai preuve. Eh mais est-ce que qu'on y a les que lui Gérald Gilles t'es allé répondre question qui était ULCCO. Est-ce que preuve que le montré yo? Est-ce que pas suffisant? Est-ce que pas kembé? Yeah. Est-ce que preuve que le montré yo pas suffisant? Est-ce que preuve yo pas kembé? OK? Par rapport avec ça que t'es dit lui-même avec ancien président conseil administration BNC1 monsieur Raoul Pascal Pierre-Louis. Et dans même rapport ça dans page 12 rapport ULCC mandé puis yo m'arrêta kou crabe ancien président conseil administration BNC1 monsieur Raoul Pascal Pierre lui côté le caché États-Unis pour yo pimpel faire le rentrer en Haïti parce que il pas gué droit pas aller répondre question autorité ULCCO il pas gué droit à marron autorité haïtienne yo et ce point ça ULCC mandé avec les États-Unis puisque c'est là comme information que yo gagné que monsieur Raoul Pascal Pierre lui a le caché pour pas répondre question enquêté ULCCO mais yo mandé avec ULCC et ULCC mandé avec autorité américaine yo tant pris s'il plaît bay un tibourade. Ben, un petit bourrade. Pour yon traîner marre kou krab, fouke. Monsieur Raoul Pascal Pierre-Louis, mène en Haïti. Et comme moi songe avocat Raoul Pascal Pierre-Louis, mette sonne Saint-Louis, l'idée dit que client l'a prêt pour faire s'en aller en confrontation directe avec trois monsieur Sayo. En parlant de Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère. Mais avocat Raoul Pascal Pierre-Louis, hein, mais ce n'est pas lui. Il dit que client n'a pas en sécurité. Il n'a pas senti que client n'a en sécurité. Et c'est raison ça qui fait que client n'a pas qu'à présenter devant enquêteur ULCC. Oui, ça le dit. Mais est-ce que son raison tout pour quelqu'un qui te paye? Est-ce que c'est une raison tout pour que Raoul Pascal Pierre lui t'ait sauvé qui t'est payant pour t'al cacher à l'étranger. Il a dit ni Raoul Pascal Pierre lui ni trois conseillers en parlant de
Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bertiller et Smith Augustin, yo tous les quatre là, yo pas sérieux, yo coquin. Et gros question de abus d'autorité, abus de fonction disons. Avait dit ni trois conseillers yo qui croyaient ces trois présidents, yo qui pouvoir de révocation, yo qui pouvoir de nomination, yo joué sous ça et ni Raoul Pascal Pierre lui tout comme ancien président administration BNC hein, qui a pouvoir de débloquer, bloquer ou pas, et il connaît que le carré tire l'argent, et bien pour le bainer, yo, yo tous les trois, ces trois volants. Yo tous les quatre, pardon. Yo tous les quatre, c'est quatre mimimiaou. Fon di baga la clé. Yo tous les quatre, c'est quatre mimimiaou. Yo tous les quatre, c'est quatre volants. Ça veut dire, je dis, hein. Yo tous les quatre gué prend même ça. Tous les quatre gué prend même ça. Parce que c'est quatre volants. C'est quatre à tout fait. C'est pas seulement trois consœurs qui se braquaient. Mais Raoul Pascal Pierre Lutou se braquait parce que s'il acceptait, eh bien, pour le théâtre qui est en connivence avec Negio, lui-même tout, les gué bagay, pas que t'as réglé. Parce que le théâtre doit dire Negio, l'écrit. Il dit doit dire comme ça que OK, Manego 20000 dollars alors que l'elle signé, il dit que Manego 25000 dollars et elle a Manego 20000 dollars lui même tout, l'a sorti avec 5000 dollars en plus. Ça veut dire tous les cas c'est quatre volants. C'est quatre volants, quatre coquets, quatre mesdames. Et c'est là m'gal garder pays ça. Est-ce que tout monde la donne? C'est là m'gal garder pays ça. Est-ce que monde qui soit disait les têtes autorité? Est-ce que autorité vraie? C'est l'âme qui a regardé ça. Et Kounia, qui prend l'avenir conseil présidentiel transition? Ah oui! Qui prend l'avenir conseil présidentiel transition? Parce que si, non, moins que 5 jours, que Smith Augustin t'a dû remplacer Edgar Leblanc fils comme conseil présidentiel n'a question président tout notre que négoté meté n'a question conseil là et ben kounya si gen ULC s'est mandé pour mettre action publique en mouvement contre et Smith Augustin ça veut dire automatiquement Smith Augustin pas qu'à président conseil là encore automatiquement Smith Augustin li pa ka président conseil ça encore éclair et tous les trois conseillers ça yo pas droit faire partie conseil encore li automatique parce que le fait que gen doute et la justice pral enquêter sur ou pas capable rete à même petite autorité encore bagala clair hein? Yeah. OK? Le fait que autorité ULCC limandé avec autorité judiciaire yo pour mettre action publique en mouvement. OK. OK. Li mandé pour mettre action publique en mouvement. Contre trois conseillers ça yo. Entre quatre moun ça yo, trois conseillers yo qui automatiquement pas conseiller encore. OK. Trois conseillers ça automatiquement il y a pas de faire partie conseil encore. C'est bon. Trois conseillers ça yo qui c'est Louis Gérald Gilles,
Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, Nekjio, Pat Gwe fait partie conseil présidentiel transition. Encore, c'est fini, point barre. C'est fini, point barre. Et là, tout, est-ce que conseil présidentiel va te craser? Est-ce que conseil présidentiel, non? Est-ce que le pas doit tout craser? Faut nous garder bagala bien. Et me songe, les Voltaire te dit, c'est soit conseil a démissionné, ou dis-moi ce que cas de force majeure, si je ne me trompe pas, c'est quoi le bagali te dit encore là? Oui? Scandale de, comme si des scandales de corruption avéreux, comme si des preuves pour eux. Elle dit là, nous comprenons? Est-ce que c'est Leslie Voltaire qui va le remplacer Edgar Leblanc fils? Est-ce que c'est Fritz Alphonse Jean qui va le remplacer Edgar Leblanc fils? Est-ce que c'est Laurent Saint-Cyr qui va le remplacer Edgar Leblanc fils? Est-ce que Edgar Leblanc fils a arrêté jusqu'à ce que soi-disant il est capable d'organiser l'élection? Par contre, qui ça va le passer? Qui avenir capétien? Moi m'avait dit avenir trois conseillers, c'est trois nèg ça déjà parlé encore. Trois nèg ça yo après rapport ULCC yo parle encore, il pas conseiller encore, elle dit li automatique. Elle dit c'est du passé, c'est au passé que nous pral commencer parler de Louis Gérald Gilles. Nous pral commencer parler de Emmanuel Vertiller. Nous pral commencer parler de Smith Augustin très bientôt. Parce que quel que soit Jean-Lié, mandé pour que action publique en mouvement contre ça yo, li dit clairement que, OK, li dit clairement que trois nèg ça yo, yo pas rete dans conseil là encore. Même pour t'amener enquête sou yo, mais pour la justice t'attendre yo, yo pas ka rete avec même petite fonction conseil présidentiel encore. Mais ma konne sa te dit dans 4 avril là. Est-ce que y a une question d'humanité? Bon, il n'y a pas dans le Parlement. M'ba quoi y a une question d'humanité, bah oui, mes amis. M'ba quoi y a une question d'humanité? Ben, ouais, bon. N'est-ce que tu as un certain sujet pour voir le conseil ça? Ou est-ce convoqué? C'est comme quand on a dit, c'est les Parlement haïtien, les Tégué Ban Volo, dans le Parlement haïtien, ils ont convoqué tel ministre. Ils ont convoqué tel directeur. Ils ont convoqué tel premier ministre. A dit tellement senti que pouvoir de convocation, oui, il n'a mis la présidence. Et qu'on y a, là, qui la présidence a parlé? Qui la primature a parlé? C'est même coquin yo. C'est même mettre dame yo. M'le qu'on comprenne ça. Quel que soit la présidence, quel que soit la primature, OK? OK. C'est qu'on y a pral gè koumen et qu'on y a pral gè kouri et bam li et ça qui dit dans rapport non bay ULCC. Dossier ULCC, m'gade. OK. Bam mine avec là. OK. OK. Bam dit nous ça le dit. Rapport ULCC, hein? Alors, en résumé, en grosso modo, les malé dans rapport, hein? Dans page 12 rapport, à qui ça le dit? Sur le plan pénal, ça veut dire, là, nous avons aspect avec question de la justice. OK? Pénal. Et vous dites pénal, ou en affaire avec la justice. Et ça fait nous dire que, ULCC mandé pour marrer trois conseillers. Parce que mandé mettre action publique en mouvement, eh bien, c'est parce que ULCC trouvait que bon, j'ai preuve, et preuve ça yo, yo palpable, yo tangible, eh bien, yo doué agir contre trois conseillers ça yo. Et directeur général ULCC, hein, monsieur Jacques-Hans Luidich Joseph, lui mandé pour États-Unis mettre Interpol derrière Raoul Pascal Pierre-Louis. Parce que pas oublier que Raoul Pascal Pierre, monsieur États-Unis, a dit monsieur décret allemand ou al caché. Eh bien, moyen qui capable faire yo prendre Raoul Pascal Pierre et tourner en Haïti, il parle que Interpol.
Elle dit, Interpol qu'elle cherchait Raoul Pascal Pierre lui, tant coup t'es sec qui besoin l'appli aux États-Unis. Mais comme le général Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Bertiller, n'est pas prêt de voyager, n'est en Haïti, qui donc la justice haïtienne, la police haïtienne, absolument prêt à le prendre et puis c'est pas tout bas fini. Et c'est l'ambral gardé, c'est l'ambral suivre. En Haïti, il y a une pratique, il y a un vocabulaire, il y a une phrase qui est souvent répétée. Les que des dossiers brûlants, dans la justice, vous m'avez dit, l'enquête se pour.